Quelle est la tribu de ton meilleur coup? La tribu de mon meilleur coup? Oui, le gars qui t'a fait quelque chose au lit, il t'a fait vibrer, il était de quelle tribu? Mbassa. Mbassa. Et tu, si il fallait lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien? 8. Selon vous, en fait, quelle est la tribu de votre meilleur coup? La tribu de notre meilleur coup, oui. C'est Adam. Non, le gars qui vous a foudroyé au lit. Il était de quel village? Ça, au moins, ça c'est une question. Au moins amusante. C'est, nous faisons seulement dans des questions amusantes comme ça. Elle aussi, elle est amusante en fonction de comment est-ce qu'on la reçoit. Mm-hmm. Pour ma part, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais. Parce que je n'ai aucune expérience vis-à-vis de ça. What? Ça là, ce serait un grand problème. Oh non, mais c'est pas possible. Donc, oui, tu n'as jamais fait... Non, tu es nœud. Ça ne m'intéresse même pas. Donc... Ah! Femme! Non! Ah, quittez là-bas! Quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Non, quittez là-bas! Go, vous êtes trop vous êtes trop bête. Donc, c'est pas des questions. C'est pas des très trucs. Bien. Moi, vraiment, je sais pas quoi dire parce que j'ai même pas encore vécu ces moments. Donc, tous les scientifiques, en réalité, n'ont pas encore vécu ces moments. Si on peut dire que les côtes et membres sont à la tête. Non. Bon, ça dépend des pratiques. Ça dépend des concepts de chacun et tout. Voilà, des principes aussi. On peut pas. Dit que c'est quelque chose qui concerne seulement les scientifiques ou quoi que ce soit. Ouais. Donc la base d'abord c'est les principes, la façon la conception de chacun. Voilà. Ça là ce serait un grand problème. Je vous remercie. Merci. La voix des sans voix, le clairon de conscience africaine. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? La tribu de mon... De ton meilleur coup, le gars qui t'a foudroyé au lit. Baganté. Un baganté. Un baganté. Ah. Waouh. Et tu peux, s'il fallait lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien? 8. 8 sur 10. Mais il était excellent. Et les filles sont aussi sages. C'est pas tous les gars qui ont toujours les gars qui ont les abdos, le beau corps là, qui sont bien. Une vraie fille ne doit jamais laisser un gars qui a 6 voitures, 6 meubles pour un gars qui a 6 abdos. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? Mon meilleur goût. Ton meilleur coup, dont la fille qui t'a fait quelque bâtier. Chose. Elle était bâtier. Très bien. Et s'il fallait lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien? Non, c'est 7. 7 sur 10. Elle était excellente. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle savait faire? Qu'est-ce qu'elle faisait de particulier? Bon, là, c'était une position que tu touchais aussi, tu vois. Ouais. C'était plus de plaisir. Ouais. Je te remercie, mon frère. Merci, merci. Ça, là, ce serait un grand problème. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? Bon, déjà, la tribu de mon meilleur coup devait être Ubanjun. Mais malheureusement, en pleine excitation, elle a dit qu'elle ne voulait plus. J'ai vu le haut niveau de la sorcellerie. Ça m'a vexé, je voulais la fracasser, mais après, elle dit qu'elle ramasse ses habits, elle a fiché le cap. Pardon? Pardon. Ah, mais sinon, physiquement, non, elle m'avait excité. Sans taper, j'étais à peut-être à penser à son ex, et puis comme j'étais pas aussi aisé que lui, peut-être dans la matière. Mais sinon, physiquement, sa peau, ses poils et tout, ça m'avait envoyé dans les anges. Ouais. Sans la pénétrer, je pense que c'était ma meilleure expérience sexuelle. Ubanjun. Ubanjun. Il n'y a pas plus bête que ces femmes-là dans le monde. Femme est bête, hein? Quelle est la tribu de ton meilleur coup? Le gars qui t'a fait quelque chose au lit, vraiment, ton meilleur coup? Baganté. Un baganté. Et s'il fallait lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien? 10 sur 10. D'accord. What? 10 sur 10. Merci, c'était bon. Je suis une bombe, mais je parle pas. Ça veut dire que c'était 10 sur 10. Lui, il était parfait. Pardon? Parfait. Qu'est-ce qu'il faisait de particulier comme ça? Parce que même mes abonnés aimeraient savoir qu'est-ce qu'il a fait de parfait. Donc, parce que 10 sur 10, c'est incroyable. Mais si tu apprécies, ça veut dire que ça fait 10 sur 10. Ça fait 10 sur 10. Donc, la vibration, tout était là, la tendresse et les gestes, quoi. Voilà. Donc, il était excellent. Excellent pour moi. Je te remercie, ma chérie. Merci.
Quelle est la tribu de ton meilleur coup? La tribu de moi? De ton meilleur coup, dont la fille qui t'a fait quelque chose au lit que vraiment... Je dirais pas que j'ai une tribu. Hein. Oui. Pas du tout. En fait, la fille, tu n'as pas eu des relations avec des filles? Jamais? Pas encore. Pas encore. Donc tu es encore chaste? Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je peux pas dire que j'ai une préférence maintenant. J'ai une préférence maintenant. Pas de préférence? Pas encore. Donc tu n'as pas encore découvert vraiment le meilleur coup? Disons ça comme ça. J'ai vu le haut niveau de la sorcellerie. D'accord, je te remercie. Merci aussi. Bafan. Il était Bafan. Mm-hmm. Et tu peux lui donner quel note sur 10 en ce moment-là? En ce moment-là? Oui. 8. 8 sur 10, donc il était excellent. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il m'a fait vibrer. Il t'a fait vibrer. Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails? Quand j'ai des détails encore. Si t'as fait vibrer, il faut que nos internautes aimeraient bien savoir ce qu'il a fait de spécial pour que tu lui donnes jusqu'à 8. 8, c'est quand même bon, c'est très bien. Non, c'est bien parce que ce qu'il faisait était bien. Non? C'est très bien, c'est 8. Je te remercie. Okay. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? Mon meilleur coup? Oui. Comment ça? Je ne comprends pas bien la question. La tribu de la fille qui t'a fait quelque chose au lit que vraiment tu gardes en mémoire. Non, je n'ai pas encore eu... Tu n'as pas encore eu à... Ça, oui. Non, tu es encore chasse. Oui. Continue. Je te remercie. Non. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? La tribu de mon meilleur coup? Ouais. Dans quel sens? Dans le sens où la fille t'a fait quelque chose au lit que vraiment... Chaque fois quand tu restes, tu penses à ça. Je n'ai pas encore vécu ce genre, je sais. Mais tu as quand même une fille qui a su passer les autres. Je n'ai pas encore vécu ce genre, je sais. Ou bien tu n'as pas encore fait? Oui. What? Tu es encore chasse? Je n'ai pas encore. Ok, je te remercie, mon frère. Merci. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? La tribu de mon meilleur? De ton meilleur coup. De quelle tribu était la fille qui t'a fait vibrer au lit? Elle était Bouddha. Elle était Bouddha. Mm-hmm. Et s'il fallait lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien? 8. Mais pourquoi? 8 sur 10. Mm-hmm. Très bien, c'est très bien, 8 sur 10. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de spécial comme ça? Elle savait bien bouger. Ouais. Elle savait comment s'y prendre et comment me prendre aussi. D'accord, je te remercie. Ok, merci. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? La tribu de mon meilleur coup. Oui, le gars qui t'a fait quelque chose au lit, il t'a fait vibrer, il était de quelle tribu? Mbassa. Mbassa. Et s'il fallait lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien? 18. Pardon. 18 sur 10. Il était parfait. Parce que, je sais pas, il m'a beaucoup fasciné le cœur. Ah, et c'est pas possible. Est-ce que c'est le cœur qui parle ou bien non, est-ce que c'est cœur, parce qu'il était bien bon? Bien aussi ça, et le cœur, les deux. Je te remercie. Pas de cas. Continue. Quelle est la tribu de votre meilleur coup? Oh. Question assez particulière, mais j'irais plutôt... Oui, ouest. Ouest de quel village, par exemple? Bon, on va aller dans le Grandi. Dans le Ndé? Oui. Non, chez les Banganté? Naturellement. Ah ben, s'il fallait donner une note sur 10 à cette jeune fille pour sa prestation, tu lui donnerais combien? Oh, je crois qu'un petit 7. C'est pas 7. Mal. Mais c'est bien 7, c'est bien. Oui. Non, ça veut dire qu'elle était... Elle a... De particulier, qu'est-ce qu'elle a pu faire qui t'a marqué? Bon, naturellement, c'est le feeling. Hein. C'est le feeling. Quand ça passe, ça va. Même quand ce n'est pas le plus important. En fait, même quand ce n'est pas l'essentiel pour un homme, mais ça passe. Il y a des coups comme ça qu'on aimerait bien remettre. D'accord. Bon. Oui. Je te remercie, mon frère. Merci aussi. Alors, quelle est la tribu de ton meilleur coup? Donc, de quel village était le gars qui t'a fait quelque chose, qui t'a fait vibrer au lit, en fait? Baganté. Il était Baganté. Oui. Et s'il fallait lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien par rapport à sa prestation? 9 sur 10. What? 9 sur 10? Mais c'est très bien! 9 sur 10, c'est pourquoi il savait bien bouger. Est-ce que tu peux me donner quelques petits détails? Non, c'est gênant. C'est gênant. Oui.
D'accord, je te remercie. Merci. Ah bon? Ce n'est pas en répétant comme un perroquet que ça va entrer. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? Pardon? Quelle est la tribu de ton meilleur coup? C'est-à-dire mon meilleur plat. Meilleur coup? Le gars qui t'a fait vibrer au lit. Wow. Il était de quel village? Betty sans doute. Betty sans doute. De quel village? Chez les Betty, on a les étoiles. Ah, pas possible. Et s'il fallait lui donner une note sur 10, tu lui donnerais combien? Oh, disons 8,5 sur 10. Mais pourquoi? C'est excellent, ça, wow. Ça c'est très bien. Oui, oui, oui. Et maintenant, si, pourquoi ça? Est-ce que c'est parce qu'il savait bouger? Pourquoi ça? On peut avoir justement quelques petits détails. Parce qu'il savait bouger, il savait faire ce qu'il fallait. Voilà. Il faisait ce qu'il fallait. Voilà. Je te remercie. D'accord. Quelle est la tribu de ton meilleur coup? Dans la go qui t'a fait un jaoli. Elle était de quelle tribu? Bassa. Elle était Bassa. Ouais. Et quelle note tu peux lui donner sur 10 par rapport à ce qu'elle a fait? 8. 8 sur 10? Ouais. C'était formidable. Tout simplement comme ouais. Ça. Je te remercie. De rien. Merci.